La Biélorussie avait décidé d'utiliser l'arme migratoire pour déstabiliser la Pologne et l'Europe occidentale. Elle avait donc massé des immigrés venant d'Afrique et du Moyen-Orient à la frontière polonaise. Et elle était évidemment soutenue dans son offensive par toutes les forces immigrationnistes d'Europe, c'est-à-dire par une immense majorité des dirigeants européens. Mais elle n'avait pas très bien compris ce qu'était la Pologne. Car l'on n'envahit pas la Pologne comme ça en claquant du doigt. La Pologne a réagi exactement comme il le fallait. Protection de la frontière par la pose immédiate de barbelés, utilisation de l'armée et des forces de police positionnées en face des envahisseurs, définition d'un périmètre de haute sécurité devenu zone militaire contrôlée. Bien évidemment, en Europe occidentale, les médias du système s'en sont donnés à cœur joie. L'égoïste Pologne devait ouvrir son cœur, mais surtout son territoire, aux malheureux immigrés s'entassant à sa frontière. Il était insupportable de voir ce pays faire ce qu'aucun pays de l'Union européenne n'oserait faire, bloquer militairement des flux migratoires incontrôlés. Pourtant, Seul contre tous, ou à peu près, la Pologne l'a fait. Et les immigrés, après une tentative d'invasion de quelques semaines, repartent chez eux en avion tout de même. Les trains ou les cars biélorusses n'étant sans doute pas assez confortables. Les trains et les cars, c'est bon pour les plus franchouillards que nous sommes quand même. La France, dans une telle situation, aurait ouvert tout grand ses frontières comme elle le fait quotidiennement. La Pologne, quant à elle, a déployé une action militaire se traduisant par un succès éclatant et va immédiatement mettre en route la construction d'un mur de 180 km de long pour un coût de l'ordre de 400 millions de dollars, mur qui sera achevé dans quelques mois, la protégeant des incursions biélorusses. Alors que les pays de l'Union européenne se couchent systématiquement de devant l'invasion migratoire, il est réjouissant de constater qu'un pays de taille moyenne résiste comme il le faut et se donne les moyens de se protéger efficacement dès 2022 par la construction d'un mur imposant. Il est également réjouissant de constater que la très catholique Pologne s'oppose frontalement au chef de l'Église catholique, le pape François, qui, bien à l'abri dans la cité très protégée du Vatican, fustige la construction de tous les murs qui s'érigent dans le monde entier. Car ces murs, n'en déplaise à François, se construisent pour le plus grand bien des nations qui, ainsi, se protègent comme il le faut. Je vous souhaite une très bonne soirée.